Merci d'être venu si vite. J'ai une mission de la plus haute importance. J'ai appelé ma panthère la plus importante. Voulez-vous une boisson importante? Pinky, cette mission n'est pas sans danger. Un danger dangereux? C'est possible. Et vous n'en tirerez aucune gloire personnelle. Ce sera boulot, boulot. Chaque heure durera au moins une heure et les nuits seront noires. Je ne crains pas le noir, inspecteur. Vous devriez le savoir. Vous aurez affaire à des hommes d'affaires influents, des politiciens habiles, tous âgés de moins de 10 ans. Plaît-il? Ils sont jeunes, très jeunes. Ce sont des enfants, mais pas n'importe quels enfants. Leurs parents sont diplomates, ou présidents, révolutionnaires, ou écologistes. Et ils sont mignons, très très mignons. Mais surtout, ils ont un point commun. Et c'est quoi? Ils sont intelligents. Très très intelligents. Vraiment? Les enfants sont notre avenir. À nous de leur apprendre à bien gouverner. Quelle perspective intéressante. Ces enfants sont la cible des terroristes. Votre mission est de les surveiller, de les protéger, de veiller sur eux. Du babysitting? C'est une mission diplomatique de la plus haute diplomatie, pas seulement un camp de vacances. Un camp de vacances? Vous m'envoyez dans un camp de vacances? Et pas n'importe lequel, le camp Chilihuahua. Chili qui quoi? Wawa, wawa. Détendez-vous, inspecteur. Tout va bien. Au moindre problème, si ces enfants sont le moins du monde contrariés... Leurs riches parents piqueront une crise. Ce sera un outrage à leur pays. Et adieu à l'amitié entre les peuples. Ça pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas une minute à perdre. Les enfants arrivent aujourd'hui au camp, chacun à bord de son jet privé. Et où est mon jet que je m'envole? Léger problème, nous n'en avons plus. Nos problèmes. Donnez-moi l'adresse, je saurais bien y aller tout seul. C'est top secret. Personne ne doit savoir où se trouve le camp Chilihuahua. Pas même vous. Je vois. Et comment vais-je m'y rendre? Grâce à mon zapper magique. Ah non. Non pas le zapper magique. Je déteste ça. La dernière fois, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Ma fourrure était tout ébouriffée. Je déteste être zappé. Je refuse catégoriquement. Je vous l'interdis. Il suffit qu'il y ait une distance suffisante entre nous. Je vous préviens. Je me vengerai. Oui, oui, oui. Quel camp de vacances extraordinaire! Je crois que je vais vomir! Hé! Hey. J'ai le mal de l'air. Je préfère le plancher des vaches. Si Dieu avait voulu que je vole, il m'aurait donné des ailes. Mais... De vraies ailes! Et des ailes en métal, comme les avions! Oh. Bonjour à tous, bienvenue sur Galou Challenge Rétro, j'espère que vous allez bien. On continue notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui, on voit un petit jeu intitulé La Panthère Rose, passeport pour le danger. Alors je ne l'ai jamais fait étant petite, je l'ai depuis des années et des années. Donc je vais voir, je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu, on verra ça ensemble. Alors du coup, hop. C'est fermé. Il me faut le code. Ah, j'ai récupéré un objet, ok.
On dirait une des fameuses inventions de Von Schmarty. J'aimerais bien qu'il me montre comment ça marche. Pinky, bienvenue au Koshili Wawa. C'est ici que se déroule la première conférence annuelle des enfants. Ils sont venus du monde entier pour promouvoir la paix universelle. Oui, je sais. Quel programme passionnant. Avez-vous rencontré ces enfants surdoués? Ils sont issus de cultures différentes, mais ils sont tous aussi intelligents les uns que les autres. Pas encore, mais je m'en réjouis déjà. Allez-y, faites comme chez vous, et bienvenue parmi nous. Bon, alors du coup, là, il s'est envolé, ok, non, ça c'est pas ça. Visiter nos installations, explorer notre camp. D'accord. Ok. Ça c'est pour se déplacer, non? Non, ça. Ah si, d'accord, on peut aller en face peut-être. Non. Bon, ben, je vais le remettre dans ma poche. On va aller voir le savant fou, là, je sais pas. Il a une sale tête, on dirait un Einstein. Là, fou. Ou un Doc. Doc McBrown, Doc Brown plutôt. Faut que je l'aide. Von Schmarty? C'est moi, Von Schmarty, votre fille Annie. Désolé, Schmarty. Je vais vous sortir de là. Vous êtes effectivement coincé. Pas de panique. Je réfléchis. Alors, comment on va le sortir de là? Ouais. Donc ça, c'est notre inventaire. Ok. C'est peut-être le bungalow de Von Schmarty, mais lui, il est resté coincé dans l'aspirateur géant. Comment on fait pour aller en face? Je vous en prie, Pinky, sortez-moi de là! De là! Je vous en prie, Pinky, sortez-moi de là! Du coup, je les ai mis, les trucs qui rebondissent ou pas? C'est bizarre. Je vous en prie, Pinky, sortez-moi de là! Pourquoi je peux pas l'utiliser? Il faut que j'utilise l'autre truc. Non. Bon, bah ça commence bien, je peux rien faire. Désolé, les réservoirs sont vides. Désolé,
Le commandant de bord est encore au café. Impossible de décoller? J'ai récupéré un marteau. Je vais peut-être pouvoir taper sur l'aspirateur. Je sais pas, on va voir. On va essayer, hein. Une clé à molette. Voilà, nickel. Oh, le bordel dans l'aspirateur, il y a de quoi faire. Chose promise, chose due. Enfin libre. Dieu merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, Meinfreud? Trop, trop longtemps. Je ne savais pas que vous étiez là. J'ai fait de cet endroit un véritable paradis pour enfants. Attendez de voir toutes mes inventions magnifiques. Je m'étonne moi-même. L'aspirateur géant n'est qu'un petit exemple. Et pourriez-vous remettre ces objets à leur place? Ah bon? Ok. Et hop. La dernière petite maison. Ok. Vous ne voulez pas m'aider, Pinky? Ah ben, j'avais pas vu qu'il en restait une. Attends, mais il y en a combien des baraques? Il y en a encore? Non, ça doit être bon. Bravo, Pinky! Heureusement que vous êtes Pinky. Là. Je crois que vous avez trouvé mes skates volants. Ouais, à mon avis, c'est une parodie à Doc Brown, hein, avec le skateboard volant. Non. L'overboard. L'une de mes inventions les plus réussies. Ah d'accord, c'est pour faire changer la météo. Hop, la neige recouvre tout. Il ne fait même pas froid. Merveilleux, n'est-ce pas? Je peux essayer. C'est épatant. Génial! Ah, au fait, voilà le code secret pour ouvrir la cave. Ah bah cool. C'était quoi ces messes basses? J'ai demandé à Pinky d'aller chercher de la confiture à la cave. Oui, fêtons notre succès. Oula, qui c'est cela? Les cambrioleurs? Je suis l'inspecteur du bureau des contrôles bâclés. Les PCB, fuyons! D'accord. Nous sommes venus vérifier vos installations. Nous devons nous assurer que les enfants sont heureux et que vos équipements obéissent aux normes de sécurité les plus strictes. Ils sont plutôt louches, je trouve. Nous sommes ici pour inspecter vos super gadgets hautement sophistiqués. Alors, on commence par quoi? Oh, patron, je peux l'essayer, s'il vous plaît? Vous avez vu les skates volants? Qu'est-ce que c'est que ça? Un skateboard qui vole, mais il y a un poids maximum autorisé. Oh bah il va être trop gros. À mon avis ça va exploser. T'es trop gros mon gars. T'es trop lourd. Ça m'a l'air de fonctionner parfaitement. Alors on a quoi d'autre à lui montrer? Ah oui bon alors ça va être trop drôle. Voilà, des pogo shoes. Des pogo shoes. Des pogo shoes? Fouillez des pogo shoes. Je vois, des pogo shoes. Très joli. Vous permettez que mes hommes les inspectent? Bien sûr, mais réglez-les sur débutant, c'est plus sûr. Débutant? Vous me prenez pour un amateur. Position expert direct. Si vous insistez. Il va faire un vol plané. Ouais, et je m'en doutais.
mais je vous préviens, au moindre problème, je ferme immédiatement le camp avant même que vous n'ayez le temps de dire... Où est Louis ? Où est Louis ? Eh bien, messieurs, nous voilà prévenus. Ne crâne pas la panthère ! Je déteste les panthères crâneuses ! Vous préférez les panthères idiotes, patron ? L'affaire ! Mais patron, j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave ? Des outils, mais la porte est fermée à clé. Je n'ai pas encore trouvé le code pour l'ouvrir. Pas de code pour l'ouvrir ? Je le note. Ça commence mal. Bon, allons chercher Louis, mais on se reverra. Complètement loufoque, ces trois-là. Moi, je sais, j'ai le code. Ne me dis rien qu'il faille. Bien joué, Pinky. Je vais me retirer dans mes appartements pour réviser le manuel du bureau des contrôles bâclés. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Bonne idée. Je vais me Il est drôle, ce jeu. Ça fait comme un dessin animé, c'est cool. Épouvantable. Pinky, quand j'étais si petite, je regardais beaucoup la Panthère Rouge, j'adorais Merci. Ça. Merci, mais ne vous en faites pas, tout ira bien. Alors, du coup... Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire le code non. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait faire? Non, c'est qu'il y avait un chargement. Ok. Bon, alors on va essayer d'ouvrir le coffre. C'est fermé. Il me faut le code. Ben, je l'ai le code. Ou alors il faut peut-être le sortir, peut-être. Et le poser là-dessus. Ah ! Qui c'est qui observe ? Il y a quelqu'un qui a triché et qui a regardé le code. Alors, qu'est-ce qu'on peut ramasser ici ? Pauvre tondeuse, elle est dans un drôle d'état. Ce tas de ferraille est bon pour la casse. C'est clair. Ah, une canne à pêche. Cool. On trouverait bien le temps d'une petite partie de pêche. Des gilets de sauvetage. Ok. Des conserves. De la purée de marron. Sauvé, on ne mourra pas de faim. Erk. J'aime pas ça les marrons. Bon, ben, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Allez, hop, on ressort. Bon, il est assez minimaliste comme jeu, mais j'aime bien l'ambiance, c'est rigolo. Alors, du coup, on a récupéré une canne à pêche. On peut peut-être essayer de pêcher. Alors, voyons voir. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle William, je suis anglais. Je suis William. Un pacifiste. P-A-C-I-F-I-S-T-E. Et je traite toutes les créatures vivantes avec amour et R-E-S-P-E-C-T. J'aime l'ordre et la discipline. C'est mon premier séjour au camp, mais je vous en prie, pas de bizutage. Tu aimes la pêche ? Vous tuez les poissons ? Non, ne t'inquiète pas, on les remettra à l'eau. Mais l'hameçon doit leur faire mal. Peut-être, mais juste un peu, comme une toute petite minuscule piqûre de moustique. Ils ne sentent rien. Aïe, 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 oh, ouais, ça fait mal, et qu'est-ce que je vous ai fait ? Ils ne sentent rien, hein ? Je suis désolé. Mais dis donc, ça vous plairait que je vous transperce le palais avec un de ces instruments de torture ? Promis, juré, demain j'arrête la pêche. Alors, repentez-vous, Marot. M-A-R-A-U-D. Donnez-moi votre arme et je ferai en sorte qu'elle ne blesse plus jamais personne. Mon arme ? Votre canne à pêche. Oh oui, bien sûr. Bon, bah du coup, ça, la pêche a été de courte durée. Alors, je pense qu'il faut parler à tout le monde. Ouh, gla gla gla. Non, Wawa, Chili Wawa. Comment tu t'appelles ? C'est Yung Li, un étudiant de Pékin. Surtout et bien sûr, comme tous les enfants qui sont ici. Excusez-moi.
Je m'appelle Indrani et je suis une femme libérée, d'accord? Je viens des Indes. Je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes et je me battrai pour faire respecter mes droits. Je suis hindoue et j'adore la mythologie hindoue. Mon nom, Indrani, veut dire déesse du ciel. D'accord. Vous savez où est le Bhoutan? C'est de là que je viens. Je suis bouddhiste et j'ai vécu dans un monastère. J'ai des amis dans le monde entier et j'espère m'en faire d'autres ici. Et la fille qui est tout en haut, là, est-ce qu'on peut lui parler? Bonjour, je m'appelle Chiali et je viens d'Égypte. Mon nom veut dire fille du Nil. Mon père est ambassadeur. Il s'appelle Adolfo. Les hiéroglyphes n'ont pas de secret pour moi et j'adore la vitesse. Bonjour, moi je m'appelle Pinky. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rose. Je m'appelle Kumoken. Je suis un aborigène d'Australie. Je n'ai que 10 ans, mais je suis un grand guérisseur. Je connais toutes les plantes. Mon totem est le crocodile. Kumoken. Intéressant, mais dans mon pays, on ne fait pas comme ça. Oh, j'aimerais bien aller dans ton pays un jour. C'est les scouts. Je t'invite, tu peux venir chez moi quand tu veux. Bon, alors du coup maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, il va changer la météo. Le vilain. Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis carrément la nuit. Voilà une belle journée de terminée. Bonsoir les gentils campeurs, il est l'heure de se coucher. Et n'oubliez pas la conférence de demain matin. Introduction aux cultures étrangères. Bonne nuit. D'accord. Bonsoir, Kumoken. À demain, William. Dors bien, Chionnet. Fais de beaux rêves, Ananda. Tais-toi, Yongli. Bonne nuit, Pinky. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, les petits enfants. Bonne nuit, Pinky. Trop drôle. Et du coup, faut faire quoi? Ah d'accord, il a mis la nuit pour pouvoir rentrer dans le sous-sol, le vilain. Je peux pas l'arrêter. Non, trop tard. Ouais, très très bizarre. Il va avoir volé quoi? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bras articulé. Ce n'était pas là hier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, faut que je fasse quoi avec? Mec, mon jeu a planté. Ah non, c'est bon. Je croyais. Peut-être qu'on parle au gérant. Pinky, venez vite. William est hystérique. Impossible de le calmer. William est hystérique, c'est-à-dire. Faut que j'aille où là? Là? Ah non. Bizarre. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla. Impossible de le calmer. Ah non, c'est là. Ok, j'avais pas vu.
qu'est-ce qui se passe. Je peux te parler ou pas? Non. Ou alors faut attendre la fin de la cinématique peut-être. Rien faire. Ah non, faut que je parle aux scientifiques. Regardez, il est furieux. Furieux. F-U-R-I-E. Furieux. Il manque le X, mon gars. William, qu'est-ce qui ne va pas? Taisez-vous. Je déteste cet endroit. Je déteste la nature, l'herbe et les lacs. Je vous déteste, vous et ce maudit camp chez les Wawa. Mais c'est impossible. Taisez-vous. Je veux rentrer chez moi en Angleterre. Je déteste cet endroit. Je déteste les P-O-I. Pois, vous avez choisi une question sur les pois et mesures. Non, les poissons. Laissez-moi tranquille. Disparaissez. Je vous déteste tous. Ok. Mais encore. Qu'est-ce qu'il a? Oh, rien de grave. Une petite allergie aux poissons. Mais Pinky! Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer en... En Angleterre? Exactement. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer en... En Angleterre? Exactement. Je déteste ce camp. Je veux rentrer chez moi. Appelez mes fichus parents. Super. J'aimerais bien comprendre à quoi servent toutes ces choses. Ouais, moi je aussi. Je me demande à quoi ça sert. Il faut faire quelque chose, c'est une catastrophe. S'il rentre chez lui, l'inspecteur va fermer le camp. Et si on ne peut pas conduire Mohamed à la montagne? Amenons la montagne et Mohamed. Qui c'est ce Mohamed? Occupez-vous des William. Je vous propose de me rendre en Angleterre et de ramener quelques cadeaux pour William. Il y a deux dalles dans cet endroit. Je veux rentrer chez moi. Pinky, venez me voir avant de partir. J'ai quelque chose pour vous. Par contre, je trouve que c'est un petit peu long, toutes ces cinématiques. C'est très loufoque, c'est très rigolo, mais on n'avance pas beaucoup dans l'aventure, du coup. Pinky, je vous ai concocté un ordinateur de poche spécial voyage. Un ordinateur de poche? Et pas n'importe quel ordinateur, un PDA pour vous tout seul, petit, compact et rose, un Panther Digital Assistant. Un Panther Digital Assistant. Il nous permettra de communiquer. Par contre, au niveau de la luminosité, c'est bizarre. Il sait tout sur les derniers endroits à la mode. Il y a trop de lumière. Vous pour cette petite merveille? Je n'en ai jamais eu. 10 000 francs? 20 000 francs? Nein, aujourd'hui, et rien que pour vous, c'est gratuit. Grâce au PDA, vous saurez tout sur tout, absolument tout, même ce que vous ne saviez pas que vous saviez. Votre PDA est un guide touristique à votre service 24 heures sur 24. Suivez les flèches et faites tourner la roue. Très facile à utiliser. Il suffit de cliquer sur les flèches pour choisir le pays qui vous intéresse. Cliquez sur les flèches pour choisir le sujet qui vous intéresse. Cliquez sur la grosse flèche verte. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous verrez apparaître une page d'information générale où vous attend un guide diplômé S-Tourisme. Cliquez sur l'une des icônes pour zapper sur une page d'information pratique. C'est ici que se trouvent tous les renseignements sur les pays que vous visiterez. En plus, chaque fois que vous cliquerez sur un objet avec le bouton droit, vous aurez droit à un détail informatif ou croustillant. Quand l'icône de votre PDA apparaîtra dans le coin en bas à gauche de votre écran, vous pourrez cliquer dessus pour avoir de plus amples renseignements sur cet objet. Informations, renseignements, j'espère que vous n'oublierez rien. Croyez-moi, Pinky, c'est la plus grande invention depuis le fil à couper le beurre. Et t'as fini de blablater? Vous n'avez pas l'intention d'y aller à pied, j'espère. À pied? Pourquoi à pied?
Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer chez moi. Oh, bah, je décidément. Déteste tous ces étrangers. Drani, je peux faire quelque chose pour toi? Approche un petit peu. Oh. Et voilà, je me sens beaucoup mieux. Merci. Bon, bah voilà. Je ne la reconnais pas. Ouais. Vous n'avez pas l'intention d'y aller à pied, j'espère. Pourquoi il me dit ça? Je peux pas changer la météo. Ah oui, il faut que je prenne l'avion pour aller en Angleterre. Ça y est, je viens de comprendre. Tout à l'heure, il n'y avait plus de pilote, alors. Est-ce qu'il n'y en a toujours pas de pilote? Désolée, les réservoirs sont vides. D'accord. Désolée, le commandant de bord est encore au café. Impossible de décoller? Au café? Bah oui, de toute façon, c'est un avion anglais, donc c'est bon. On est parti pour l'Angleterre. Et donc, il faut qu'on ramène des cadeaux. Veuillez vous asseoir, nous allons bientôt décoller. Ok, je m'assois où? Là? Ce jeu, je crois qu'il était sorti en 1997, pardon. Alors, on peut se décrocher. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette télé? Ah non, c'est pour faire venir l'hôtesse. Oui, qu'est-ce que c'est? Les visiteurs en version serbo-croate sous-titrée. Oh, bah d'accord. Les visiteurs, ça ressemble pas aux visiteurs, on dirait Sister Act. Ok, fallait qu'on saute de l'avion. Ah bah alors ça. Pour atterrir en Angleterre, d'accord. Donc on est arrivé en Angleterre. Là on a Big Ben. On va faire les poubelles, on va fouiller un peu tout. Si vous voulez lire un journal, il faut l'acheter. Ah, d'accord. Ok, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Si vous voulez lire un journal, il faut l'acheter. Bon, bah d'accord. On n'a pas d'argent sur nous, donc du coup ça va être difficile. Sir Bradley est le doyen des députés. Il prend sa retraite aujourd'hui, il en profite pour faire un discours interminable. S'il pouvait seulement se fatiguer et aller se coucher. En outre, le rapport de la commission fait état. À moins de trouver un moyen de le faire taire, nous sommes condamnés à l'écouter. Mm-hmm. Dis donc, la panthère, tu as vu notre ballon? Dis donc, la panthère, tu as vu notre ballon? Le ballon? Aïe. Est-ce que j'ai un ballon dans les poches? Ouais, j'ai que ça. Ah non, c'est mon parachute. Attends. Non, mais je sais pas.
si je lui donne ça. On m'a accusé d'être bavard, mais là, il dépasse l'entendement. Ok. Du coup, je sais même pas ce que c'est que ce truc. Où est-ce que je peux... Ah bah si, le ballon, il est là. Il est dans l'arbre. Je l'avais pas vu. Alors comment je vais aller le chercher? Ah si, ça y est, je viens de comprendre. Je vais utiliser ça et je vais me mettre dessous pour aller le chercher. On m'a accusé d'être bavard. Non, ça marche là, pas. Il dépasse l'entendement. Mince. Où est-ce que je peux... Ou alors, comme ça peut-être. Ok. Voilà. En fin de compte, c'est tout con. Faut vraiment regarder partout. C'est ce ballon que vous cherchez? Oui, c'est notre ballon porte-bonheur. Je suis le pilier de l'équipe. Pardon, vous êtes quoi? C'est le pilier. Moi, je suis capitaine. Nous nous entraînons pour le tournoi des cinq nations. Je vois, je... Personnellement, je préfère... Non, je n'ai rien dit. Sans notre ballon porte-bonheur, on était sûr de perdre le match. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Carrément un t-shirt? Ah bah d'accord. Merci. Ah, on va peut-être l'offrir au gamin, il va bon, peut-être être content. Tu vas attraper froid. Ok, bon, maintenant. En outre, le rapport de la commission fait état. À moins de trouver un moyen de le faire taire, nous sommes condamnés à l'écouter. Ok. À moins que je lui donne le t-shirt, je l'aurais gardé plutôt pour le gamin. Ouais. Ah, puis en plus, il me bloque. Bon, ben, on va aller de l'autre côté. J'avais pas vu qu'on pouvait y aller d'ailleurs. Alors, du coup, où est-ce qu'on est parti là? Dans un pub. Qu'est-ce que tu veux, mon pote? Une petite partie de fléchette? Mon copain et moi, on joue pas avec les étrangers. Étranger? Je ne suis pas plus étranger que vous. Hé, les gars, on a un comique parmi nous ce soir. Un comique à fumer du churro. Écoute-moi bien, mon vieux. Tu ne connais pas mon nom et je ne connais pas le tien. Et tu ne connais pas son nom à lui et il ne connaît pas ton nom. Alors, pour nous... Un étranger. Ok. Ça va, mon chou? Une petite bière? Je suis un personnage de dessin animé. Je ne bois pas d'alcool. Une blonde pour le flic et en vitesse. Une blonde pour le flic. Il y a un flic dans le... Ah oui, là. Ok. On fait office de serveur, d'accord. Enfin, ma bière. Je tiens à vous faire remarquer que je ne suis plus en service. Une bière et un steak pour le facteur et en vitesse. D'accord. Je mange la même chose tous les jours que Dieu fait. Il pourrait donner mon nom à ce plat, vous croyez pas? Des rognons bouillis et un jean rose pour notre ami l'avocat, et en vitesse! L'avocat? Qui c'est l'avocat? Ah, peut-être lui. C'est vous l'avocat? Alors vous défendez un criminel. Comment ça se présente? Attendu que je suis avocat, jamais je ne me permettrai de violer le secret de l'instruction, même pour une panthère, si rose soit-elle. Ok, et quand on aura fini le service pour tout le monde, peut-être qu'on pourra faire quelque chose d'autre. Tous ces clients ne vous laissent pas le temps de souffler. Sourire, toujours sourire.
Depuis qu'elle l'a quitté, elle est en pleine forme. C'est pas comme lui. Un vrai zombie. Vous écoutez notre conversation? Ce n'est pas très poli d'écouter la conversation des gens. Et ce n'est pas très poli de colporter des ragoûts. Et ce n'est pas des ragoûts. Nous nous tenons au courant de la vie du quartier. Exactement. Et si vous n'avez rien de juteux à nous raconter, tirez-vous. Ah oh bah la vieille, ça va? Vous écoutez notre conversation? Ce n'est pas très poli d'écouter la conversation des gens. Et ce n'est pas très poli de colporter des ragoûts. Et ce n'est pas des ragoûts. Nous nous tenons au courant de la vie du quartier. Exactement. Et si vous n'avez rien de juteux à nous raconter, tirez-vous. Désolée, j'ai cliqué deux fois sur le même dialogue. Qu'est-ce que tu veux, mon pote? Une petite partie de fléchette? Mon copain et moi, on joue pas avec les étrangers. Étranger? Je ne suis pas plus étranger que vous. Hé, les gars, on a un comique parmi nous ce soir. Un comique affublé d'une queue rôle. Écoute-moi bien, mon vieux. Tu ne connais pas mon nom et je ne connais pas le tien. Et tu ne connais pas son nom à lui, il ne connaît pas ton nom. Alors pour nous, t'es un étranger. Ah mince, j'ai refait le dialogue que j'ai fait au début. Moi, je ferai des coupures. Alors le gamin, il veut quoi? Qu'est-ce que tu as là? Le spécial boitif. Le spécial boitif? Des saucisses et de la purée avec du pain et du beurre, bien sûr. Oh, je vois. Hé, hey, la belle, où sont mes saucisses? Je les ai commandées bien avant, ce petit imbécile. Et me permets-tu de t'emprunter ce spécial boitif? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Bien parlé, fiston. Le t-shirt des joueurs. Non. Il en voit pas. Hé, c'est pas une poubelle ici. Bon, c'est pas ça qu'il faut lui donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre inventaire? On n'a rien d'autre, hein, je crois. Ouais, on a que ça. On n'a rien d'autre. Je vois que vous jouez au foot dans votre pays. Ouais, quand il fait beau. Et quand il pleut, vous regardez la télé. Non, on joue au rugby. C'est du sport. Mais c'est quoi alors? Ils sont fous, ces grands bretons. Oula. Quelle brutalité. Et lui qui est caché, là, c'est qui? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? J'ai rien fait, Je ne suis qu'un vieil anglais assis dans un pub devant une bière. Ok. Et l'avocat, est-ce qu'il va me dire autre chose? Non.